Salut. Bon, ben ce matin, ou ce soir, hein, ça dépend quand vous regardez. Je vais vous parler de DTM, la Deep Trance Méditation. Donc, méditation profonde, trance. Trance méditative profonde. À propos des vaccins. Donc, il y avait une question. Est-ce qu'il y a quelque chose de suspicieux derrière les vaccins pour la grippe qui ont été offerts à tout le monde gratuitement? C'est aux États-Unis. Oui, il y a un virus qu'ils ont introduit dans ces vaccins. C'est une sorte de guerre biologique dans l'espoir de contrôler l'esprit, dans le but de contrôler l'esprit. Nous voyons un centre de contrôle, un bouton qui est pressé. Ceux qui ont eu le vaccin voient leur comportement changer drastiquement, c'est-à-dire totalement. Le bouton est réappuyé dessus et le comportement revient à la normale. Question, même les enfants? Réponse, il n'y a aucune discrimination à ce niveau-là, tout le monde. Question, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils voudraient faire ça? Quelle est la raison derrière ça? Réponse, c'est pour avoir du contrôle. Ceux qui sont au pouvoir redoutent que l'on comprenne, enfin, voient ce qui arrive et comprennent que le monde va être outré une fois que la vérité sera découverte et à quel point est-ce que on a menti à l'humanité. Et ils vont avoir peur des représailles qui vont suivre. Et pour ce faire, ils essayent de prendre les devants sur la situation avant que cela arrive. Ils ne sont pas au courant que quoi qu'ils fassent, ils ne vont pas gagner. La lumière est très lumineuse. Elle ne peut pas être estompée. Question, qui c'est? Qui fait ça? Qui est-ce qui est en train de faire ça? Qui met ces virus dans les vaccins? Réponse, c'est le gouvernement. Les gens qui contrôlent le gouvernement. Derrière les portes cachées. Nous voyons des marionnettes. Nous pensons aux mains qui tiennent les marionnettes. Les fils qui descendent jusqu'aux marionnettes, ce sont juste des marionnettes. C'est en fait ceux qui sont au pouvoir en secret. Il y a de nombreuses expériences qui sont faites en ce moment. Elles sont hors de contrôle. Le gouvernement n'a pas le contrôle. Ils pensent qu'ils l'ont. Ce sont les gens qui sont dans l'ombre qui leur disent quoi faire. Question, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui n'utilisent pas les vaccins. Est-ce que ça va être encore pire pour eux ou est-ce que ça va être mieux pour eux? Réponse, ça va être très bénéfique pour ceux qui ne prennent pas les vaccins. Ils vont juste vous empoisonner si vous le prenez. Oui, ils vont juste empoisonner les corps humains à des fins égoïste pour gagner donc le contrôle, pour avoir du contrôle, prendre le pouvoir sur nous-mêmes, sur nos corps. C'est pourquoi il est impératif que les gens s'éveillent et constatent quel est leur réel pouvoir intérieur, hein, je pense. En tout cas, celui de dire non, non, j'ai failli crier. Une autre question sur le monde. En ce moment, il y a énormément d'activations qui sont faites à différents endroits. Qu'en est-il au niveau du processus d'ascension de la planète? Réponse, ça va plus lentement que ce qui serait nécessaire ou apprécié. Mais néanmoins, c'est toujours sur le programme, en programme.
quoi qu'il en soit, ces pouvoirs qui sont en train de... nuire à ce qui se passe. Répétez la question. Donc, on va répéter la question. Donc, en fait, elle ne répète pas la question, elle lui demande quelle est la différence entre une pyramide et un obélisque, énergétiquement. Nous voyons l'obélisque en tant que communication, nous voyons la pyramide en tant qu'énergie. L'obélisque serait aussi utilisé pour l'énergie, mais la communication d'un de ces obélisques à l'autre, plutôt, tandis que les pyramides sont l'énergie, la voie énergétique, la source. Enfin, la source, la génératrice, là. Ça pourrait être de l'énergie libre, avec une connexion avec les autres pyramides, ce qui ferait que l'énergie augmenterait. Cette énergie est donc disponible à être envoyée d'endroit en endroit. Une sorte de réseau sans fil, en quelque sorte. Question. Est-ce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont nous être révélées maintenant, à nous, à propos de ce temps présent, dont nous devrions être au courant, qu'il faudrait que l'humanité connaisse, sache? Réponse. Les changements terrestres accélèrent. Vous feriez bien de vous préparer pour tout changement possible ou destruction qui puisse arriver. La Terre est heurtée sur une base régulière, cyclique, donc. CO2, et alors, n'importe quoi. Vraiment. Bon, je reprends. Donc, la Terre est heurtée de manière régulière et la Californie n'est pas un endroit sûr. Ce n'est pas pour le futur immédiat, mais il serait intelligent de commencer à se préparer sérieusement, maintenant. Ce sera très bénéfique. Faites très attention à l'eau. Même les bouteilles d'eau, l'eau en bouteille. Nombreuses d'entre elles sont la même chose que l'eau du robinet. Ils vous trompent, ils trompent les gens. En fait, ils pourraient même mettre des nanos dans les bouteilles. Hein. Voilà, donc c'était une vidéo issue du site de Douglas James Cottrell et qu'on trouve sur le site Rammstein Regeln. Je vous remercie d'avoir suivi, même si c'est tellement urgent que même si vous ne me dites pas merci, ce n'est pas grave du tout. Comment dire? Oui, vous avez compris quoi. C'était une formulation un petit peu bizarre, je trouve, quand même. Bon, ceci dit, je vous souhaite un bon courage. Il faut s'y mettre, il faut se préparer quoi. C'est pas le survivalisme à donf tout de suite, comme si l'urgence était hier, mais l'urgence elle est demain, a priori. Donc la Terre cycliquement est bouleversée par des chocs énergétiques différents, tout ceci, tout cela. Vous pouvez balancer tout ce que vous voulez comme chemtrail là-haut, ça ne change rien aux choses, à part qu'on sera encore plus amoindri, on va dire, hein, cartonné, quoi, vous voyez, zombifié, et encore plus possiblement soumis à une autre situation de contrôle mental par les ondes, une fois qu'on est plein de métaux, et en plus de métaux qui réagissent au radar. Voilà, écoutez, bon courage, hein. Salut. Faites passer le message, je pense.